Oh là là. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour un petit live, ce sera pas très long quand même, mais un petit live sur le jeu Theatrhythm, bon, Théâtre Rythme en français parce qu'on est nul en anglais, Final Fantasy Curtain Call, et voilà, donc un petit live sur ce jeu que j'adore tout particulièrement, premièrement parce que ça parle de Final Fantasy, deuxièmement parce que j'aime bien les jeux de rythme, et troisièmement parce que ça réunit les deux, voilà. Donc j'avais envie de faire un petit live dessus, en sachant que je vais essayer de faire des lives dessus, mais on va dire avec un peu plus de participation entre les viewers et moi. Voilà. Je vais baisser encore un petit peu. Non, j'ai dit un petit peu, j'ai pas dit complètement. Donc vraiment, j'aimerais bien faire ça. Alors je vais expliquer un peu ce que je voudrais proposer dans ce truc-là, voilà. Hein. Alors déjà, pour commencer, dans les settings... Je vais quand même activer quelque chose que j'ai désactivé de base, c'est dans les sons. Yes, I speak English very well. Yes. Et c'était dans les volumes des chimes, je vais mettre juste le niveau 1. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on fait une note dans le jeu, normalement, ça fait un bruit. Et moi, en fait, j'ai enlevé ce bruit pour que j'ai la chanson pure comme ça. Mais comme là on est en live et que c'est des musiques qui sont normalement protégées, le fait de mettre les petits bruitages, ça va être assez voilà quoi. Ça permet peut-être de faire mieux passer ma vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé le son, j'ai remis le son, je l'ai mis léger. Hein. Ah, le zombie est là, le zombie est là. So we are. English is not my best language. Hein. Scremato. Hello to Hair Reeve. Scremato. Scremat Zero. Elfen Twin. Johan GT95. Ça c'est en anglais, c'est magnifique. Ainsi que Benten O. Donc, outre le fait que je vais faire des études. Alors je vais expliquer rapidement. Déjà, il y a un mode quête dans le jeu. Et en gros, dans ces quêtes-là, j'ai un souci, parce que normalement, j'ai plus de quêtes que ça. Donc ça veut dire que ça s'est sauvegardé... Donc en gros, the quest in the game are not here, but in the Nintendo DS, 3DS, of my girlfriend. So, I don't have quests. Why? Bon, en gros, voilà, j'ai plus mes quêtes. En tout cas, il y a un système de quêtes. Quand on rentre, en fait, on a le choix entre plusieurs embranchements. Sur les embranchements, c'est des musiques différentes. Et bien sûr, il y a des événements différents. Et ça, j'aimerais bien qu'en live, que je fasse des quêtes et que les gens me disent non, on prend un studio, celui du bac et des votes, tout ça. Je trouverais ça assez sympa. Première chose que j'aimerais bien faire avec les gens. C'est aussi concernant l'équipe. Concernant l'équipe, comme on peut voir, quand c'est de Stungeon Rumble, on a plein de persos. Bon, je n'ai pas débloqué énormément, il y en a plein. J'aimerais bien en fait faire l'équipe des viewers, qui choisissent les persos qu'ils veulent voir. Et comme ça, on aurait une équipe de viewers. And if you will go for it. Salut Fana Phoenix. And if you will go for it. Et si tu allais pour ça? Vous voulez choisir des quêtes, c'est ça?
Voilà, bon, pour l'instant là j'ai pris des persos, c'est pas les persos que je... c'est pas mes persos préférés ni rien, c'est juste que j'en entraîne d'autres. Donc bon, voilà, c'est... j'en entraîne d'autres, ça fait que... Donc j'aimerais bien faire choisir les personnages aux viewers, et comme ça, ça ferait vraiment 4 personnages qui seront pour le live, et pourquoi pas qui changent aussi au fur et à mesure des lives. Peut-être faire des votes à chaque fois, enfin bref. Tignorel. Salut Moon Angel. Salut à toi, ouais. C'est quoi cette merde? C'est quoi? Ok. J'ai pas envie de voir ça, c'est quoi le lien? Il est écrit que c'est pour les adultes, je clique pas dessus. Alors ceux qui veulent cliquer, faites, dites-moi si c'est ce que c'est. Donc voilà. Donc avant de faire tout ça, hop là, on revient en arrière. On va faire une petite musique. Petite musique. Dans les trucs assez classiques. Music stage. On me traite de merde. Ah, d'accord. C'est le génie qui fait ça. Alors, bien entendu, toutes les chansons sont quasiment débloquées, quasiment de base. Ce qui est très bien. Au début, vous pouvez choisir 4 personnages. Et ces 4 personnages vous donneront les musiques des 4 personnages dont lesquels sont issus les personnages. Voilà. Si vous avez pris un personnage FF7, un de FF8, un de FF10, vous aurez que des musiques de 7, 8, 9, 10. Mais au bout d'un moment, vous débloquez tout d'un coup. Et à vous les joies du Final Fantasy Mania. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer ? Alors, je propose à Fan Phoenix, puisqu'il connaît le jeu normalement, dis-moi quelle musique tu veux que je fasse et à quel niveau. Selon ce que c'est, peut-être que je me mettrai pas en ultimate, ça dépend. Bon, ouais, on verra. Vas-y, Fan Phoenix, j'attends. Par contre, Timeout User, ban. Time out, ça marche ou pas? Et c'est bon. Un grève à poil, ok! Si t'achètes Pokémon version Ruby Mega Zafir, tu pourras faire un Nuzlocke Challenge. Oh, je connais le. J'ai jamais fait, mais. Je sais pas, je verrai bien. Ok, bon! Je sais pas si Final Phoenix est toujours là. Ouais, il y a pas mal de monde, hein. Bonjour à tous ceux qui sont là. Enfin, pas mal. Je vais le faire. C'est vrai que le nom c'était Graves en haut, donc ok. Bon, bah Final Phoenix n'est pas là. Bon. On va faire une musique épique. Je pense que c'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai réussi en Ultimate, par contre c'était au stylé. Je crois. Je vais peut-être rester aussi, ça fait longtemps que. Je suis pas sûr. Ah, t'es là. Final Phoenix, je vais faire cette musique là. Mais après, j'aimerais que vous choisissiez des musiques de Final Fantasy que vous connaissez, savoir si elles y sont, tout ça. J'ai pas la liste sur moi. Allez, je vais refaire en Ultimate. Que ça fait. C'est quelques jours que j'ai pas joué quand même. Enfin, quelques jours. Ah, si je me trompe entre le bas et le bas, ça va pas le faire. Raté mon vers le haut. J'ai raté le vers le haut.
Sephiroth. Oh, le bad, alors là, les flèches vers le haut, deux fois. Les flèches vers le haut, c'est juste ma hantise avec le stylet, c'est juste dégueulasse. Oh merde. Ah putain, j'aime pas ce passage. Oui, si bon, ça va. Ouh. Après ça, tu feras force sur en ultimate comme punition pour pas avoir fait Press of Freedom. Ouais, c'est ça, Johan, c'est un peu Guitar Hero si tu veux. Même s'il y a des différences en termes de gameplay, quand même, pas mal. Si tu l'avais fait mieux que la dernière fois, non, la dernière fois j'avais fait légèrement plus. Oh, c'est pas énorme, hein. Je suis pas non plus boss. Je gagne des bêtises. Et je gagne des petites cartes. Donc il y a beaucoup de collections dans le jeu, des choses à débloquer. Alors, qu'est-ce que je débloque à 23 000 ? Débloquer un nouveau personnage dans le design menu. Enfin, ça, c'est ça, je joue pas ça. Alors, voilà, première chanson faite. Est-ce que je mets la musique un peu plus fort quand il y a les musiques ? C'est peut-être plus sympa. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez que j'augmente la musique du jeu? Alors par contre, Price of Freedom. Je t'avouerai que je connais pas tous les FF. Donc je sais plus lequel c'est du tout. J'ai peut-être déjà fait, mais Price of Freedom. Est-ce que je l'ai au moins? Je me pose la question. On va passer là, s'il vous plaît. Price. The Price of Freedom. Ok, il est là. Ok, donc je vais le faire. Et Crazy Score. Bah, je viens de le voir au moment où tu me dis ça. Salut, Sortingon. J'aime bien, tu es comme ça. Salut, Rafifi. Alors, Price of Freedom. Allez, je crois que j'ai jamais fait encore ça là. Je suis pas tombé dessus en mode quête. Je vais mettre un peu plus fort le son. Voilà.
Elle a l'air belle en tout cas. Alors pour les musiques de battle, je me méfie quand c'est trop calme. Parce que des fois ça pète à un moment. C'est pas bien. Ah le bah la flèche haut encore que je rate, franchement j'en ai marre des flèches haut. Je vais me remettre au bouton moi. Merde. Je suis nul. En même temps ultimate pas encore rodé. Merde. Merde, oh, juste une des fois, c'est vrai que des vertes, des fois, je pense pas que c'est des appuyés, je les oublie. Ouais, c'est un score un peu dégueulasse quand même. Tu peux changer tes personnages après, c'est là que je viens. C'est là que je viens, combien je suis nul. Oh oui, salut à toi, oui, ne plus voir que tes cheveux quand tu joues, c'est pas terrible. Ouais, par contre. Le problème, c'est que jouer comme ça. C'est pas facile non plus, parce que le coude il appuie sur rien. Alors à la limite, je peux faire comme ça. À la limite, je peux faire comme ça. Mais c'est pas non plus. Faudrait un gros coussin en fait sur les bras. The Bountless Ocean de FF3. Après avoir changé de perso, bon, qui on va un peu. Bon, j'ai pas beaucoup qui sont très haut niveau. Donc j'espère que je vais pas trop mourir. À changer de perso. Salut Kido Yuto, salut à toi. Reculer l'image. Je me le contre le mur l'ordi là. Je peux pas. Mais moi si je recule. Ah ouais, quand vous m'entendez pareil. Après, en termes de. C'est chiant, j'ai rien pour m'appuyer sur la chaise. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, en termes de perso, alors faut savoir ce que vous voulez comme leader, comme personnage. Globalement, vous donnez vos choix. Je les ai pas tous débloqués, donc ça c'est un peu. Faut dire, j'adore FF7, FF1, FF8, je l'ai pas encore fini malheureusement parce que j'ai pas aimé. FF9, j'aime bien. FF10, ça passe. J'adore FF6 aussi, donc j'ai beaucoup débloqué ces persos-là. J'ai pas débloqué tous les autres persos, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah, je peux montrer déjà ce que j'ai, hein, comme ça vous verrez bien. Donc Warrior of Light, Firion. Donc il faudrait aussi regarder de quel film je suis. Final Fantasy 2. On a donc Onion King de FF3, Bart de FF5. Donc j'ai Terra, Locke, Edgar de FF6, j'ai Cloud, Iris, Tifa et Barret, donc FF7, j'adore FF7, je crois que ça se voit. Donc j'ai ensuite Skull, Safer donc de FF8, j'ai Didan, Bibi de FF9, j'ai Tidus, Auron de FF10, après ça passe à FF13 avec Lightning. Donc FF14, j'ai Isholta, Benjamin de Mystic Quest, Ramza de Tactics, donc j'ai Tifa de FF7 Advent Children, Zach aussi de FF7 Advent Children, qui est mon personnage que j'apprécie beaucoup dans les Final Fantasy, malgré qu'on le voit pas beaucoup. J'ai pas fait Crisis Core, hein, notamment. Cosmos, donc de Dissidia, avec Chaos de Dissidia aussi, et enfin, donc Machina de Final Fantasy Type 0 que je n'ai jamais fait. Tu as déjà les deux chansons gratuites. Oui, oui, c'est fait, ça quand c'est gratuit, t'inquiète pas, je suis là. Voilà, c'est les persos que j'ai globalement. Je sais que j'en ai encore plein à débloquer, faut que je débloque sur toutes les autres séries. J'ai pas de Black Shard encore, où il y a Sephiroth dedans. D'ailleurs, il s'affiche même pas. Black Shard. Ok, bon, allez. Bah, Zach, il est quand même niveau 99, hein. Bon, j'ai plus entraîné Cloud que lui, mais on va le mettre. On va le mettre en premier. Ensuite, en deuxième. Benjamin en leader. Un peu tard, il y a eu quand même deux Zach. Donc, Zach, pour commencer, c'est pas mal. Je vais peut-être le remettre niveau 1 selon les persos qu'il y aura avec lui.
Mais ça me fait chier de perdre toutes ces compétences. Après, Yuan, c'est par rapport à la gueule des persos. Je trouve qu'il y a des gueules qui sortent plus que d'autres. Tu peux proposer, hein, et vas-y. Hein. Faut vraiment que j'en débloque beaucoup plus. Ce serait plus sympa. Par contre, voilà, après, Benjamin, je peux aussi le mettre quand même. Mais Zach en leader, au moins, c'est le mec de mon perso là qui trouve la balle. Donc, à la limite, ça passe bien. Donc, en gros, Jacques, d'accord. Ensuite, ce que vous aimez comme personnage, je prends les premiers qui viennent. Hein. Non, Bibi, je l'aime bien, mais il tape pas bien, donc bon. Après, moi, taper, je m'en fous. Là, je suis en live, je suis pas là pour avoir tous les meilleurs coffres du monde. Là, c'est vraiment pour la déconne. Pour le. Voilà, juste comme ça. Juste comme ça. Il n'y a pas de souci, hein, proposer. Hein. Bibi, je le mets. Hein. Bon, je vais mettre Benjamin parce qu'il veut Benji. Donc, on va quand même mettre Benjamin. Benjamin que je croyais, en fait je l'ai pris au tout début parce que je pensais que c'était le Benjamin qu'il y avait dans le jeu Mystic Quest sur Game Boy. En fait pas du tout, c'est Mystic Quest de Final Fantasy. Et donc je connais pas cette version, donc je me suis fait un peu niquer, j'ai envie de dire. Donc bon, on va faire comme ça. Allez hop, on va mettre Bibi en troisième. Ah, tu avais Benjamin? Bon d'accord, on met Benjamin. Donc il manquerait un petit quatrième. À vous de voir, mais c'est vrai que Bibi, à part magique et spirit, je sais pas si c'est un très. Une mouche. Zidane, non, c'est Zidane. C'est Zidane, pas Zidana, hein, c'est Zidane. Son nom, c'est Zidane, ça, c'est tout droit. C'est comme le footballeur qui donne des coups de boule. La blague a été déjà faite 10 000 fois sur le forum donc de jeuxvideo.com de Catherine Fiantotic, etc. Enfin bref, ça a été fait plein de fois, mais Zidane, non, c'est bon. Hein. Zidane, c'est ça. Tu peux prendre Lightning. Bah oui, allons-y. Mais moi, je suis là pour m'amuser. C'est vous qui choisissez. Allez, bah je vais reset mon Zach. Ah ouais, mais je peux pas tout mettre. Hein. Alors, à la limite, Vivi ou Barrett. Ah ouais. Et Zidane, il est déjà niveau 80. Enfin, dans les niveaux assez hauts. Donc, je sais pas si c'est. Ce serait peut-être mieux d'avoir des persos à part Zach que je mettrais à zéro. Parce que bon, mon Zidane il est niveau 99, ben voilà. Donc Zidane, je vais peut-être pas le prendre pour le coup. T'as eu ton Benjamin. Donc Bibi ou Barrett, choisissez. Bibi ou Barrett. Donc pour ceux qui connaissent pas, Bibi c'est le petit truc bizarre avec des yeux jaunes qui a pas l'air humain. Et Barrett c'est le gros bourrin black qui meurt en premier dans tous les films. Voilà. Bibi. Ah bah ben, ça va avec Bibi là, hein. ça arrête pas. C'est qui Zidane? Ben Zidane, c'est un personnage de FF9, Final Fantasy 9, c'est le personnage principal du jeu. Il s'appelle Zidane, et en France, en Europe, il s'appelait Zidane. Que moi, je trouve ça mieux, personnellement, parce que Zidane, moi étant français, je vois tout de suite le rapport footballeur, ça m'énerve. Moi, je l'appelle Zidane, en général. Oui, ça, je sais, Rafifi, pour le reset. Mais je le fais pas pour tous les persos, en général, bon, vraiment. On va garder Bibi, on va aller voir Zach. On va le reset. Normalement, il faut aller prendre tout dans cette table d'outils. Je sais plus si c'est là. On va voir. Je l'avais déjà fait pour Cloud. Reset level, c'est ça. Donc on va le mettre au niveau 1. Yes. Oui, mais c'est un mage noir. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec bizarre. Tout petit. Il y avait plus de Bibi que de Barrett, je suis désolé. Après, on changera au fur et à mesure, hein, y a pas de soucis. Donc voilà, j'ai une équipe niveau 1, 1, 1, 7. 1, 7, 1, 1. Ça va. Donc on va faire une petite un petit mode quête. Alors il risque d'y avoir Alors, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Pendant que ma console était partie en Allemagne. Quand elle est partie en Allemagne, j'ai joué à ce jeu sur la console donc, de ma copine, de la puce. Oups. Et j'ai joué sur sa console et en fait je savais pas que les quêtes, à la limite que les quêtes quand d'autres joueurs se stockaient sur les consoles, c'est pas grave, c'est qu'en fait si on va dans le mode quête, je me retrouve avec qu'une seule quête alors que j'avais trois longues quêtes. Bon, c'était pas beaucoup, j'ai pas énormément fait de mode quête quand même. J'avais une dizaine de short quests et de medium quêtes, j'en avais 4 ou 5. Il en a plus, j'en suis à 1, je retourne à 1. Bon voilà, et je suis déçu, je suis complètement déçu. Je pense pas forcément au footballeur, mais pour moi, Zidane saute mieux que Zidane. En fait, c'est le contraire, si je vois le nom de footballeur, je pense à Zidane. Ah bah oui, après, c'est sûr. Avant, en général, quand on n'aime pas le foot, on s'en fout même, j'ai envie de dire. On a déjà joué depuis qu'on était à FF9, on voit un Zidane, on se dit, il a copié.
Le mec, il a copié. C'est un footballeur, mais il a copié. D'ailleurs, si tu veux jouer en ligne contre moi, je suis nul. Bon, tu sais, moi, je suis pas là pour tailler les gens. Il y a des gens plus forts que moi, des gens plus faibles, c'est comme ça. Je t'en ai un sur Facebook, je suis jamais ouvré. Ok, ouais, je vois qui tue. C'est bon. Oh oui, je joue des quêtes pour en avoir plus. J'aimerais bien. Bon, on va commencer par une petite short quest. Attends, ça si c'est Red Charge, je le fais pas. Purple. Ah bah c'est bon, Purple ça passe. Donc là, je vais vous demander à chaque fois de me dire où vous voulez que j'aille. À chaque fois qu'il y a un embranchement. Donc, 1, c'est la voie du en haut. 2, c'est la voie du milieu. 3, c'est la voie d'en bas. C'est facile. 1, 2 ou 3. Voilà, ça dépend de combien là. Bon, pour l'instant, c'est tout droit. Faut pas se tromper, et il y a un boss. Alors, avec mon niveau 1, j'espère que je vais pouvoir les tuer. Alors, là, c'est une musique de Final Fantasy. Je n'ai pas le nom. Et alors, il y a des objets pour pouvoir voir ce que c'est, quel est le niveau. Ou on peut avoir des objets pour changer le niveau, pour changer la musique aléatoirement. Enfin, il y a toujours des objets. Je peux montrer quand même qu'en termes d'objets, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Bon, après, je vais pas vous dire à quoi ils servent tous, parce qu'il y en a que je connais pas trop encore. Mais voilà, disons que ça fait quand même pas mal d'objets, et encore je pense que j'en ai plein que j'ai pas. Oui, bon, je suis le roi du pléonasme. Voilà. Voilà, le roi du pléonasme est là, et je dis toujours des choses logiques à la suite. Donc on va voir, donc c'est musique de combat de FF1. C'est mieux si je le mets comme ça. C'est la finale battle. Final battle. C'est après si là dans cette quête il n'y a pas d'embranchement, c'est un peu con. Bon, ça va être assez facile normalement. D'ailleurs, je vais le faire avec les boutons. Pourquoi? Parce que les flèches du haut, je sens que ça va m'énerver. Les flèches du haut vont m'énerver. Fait zéro dégâts. J'étais un peu déçu de ce jeu, c'est les invocations, il n'y a pas assez, je trouve. Ils auraient pu avoir des invocations un peu. Exclusive à certaines versions, genre dans FF10 il y a Ixion, il y a Anima, il y en a plein. Oh merde, j'ai fait un grit. Je suis dégoûté. J'ai fait un grit. Bon, c'est mieux qu'un bad, mais. Ah, j'ai fait 2 grits, bon ça va. Quand j'en fais 2, c'est moins grave. Quand j'en fais qu'un, ça me dégoûte parce qu'à la fin de la chanson, je vois un grit. Voilà. Bon, elle était pas très très longue. Au fait, tu peux récupérer des quêtes associées aux gens que tu affrontes en ligne. Ça, je sais aussi. Hein. Je regarde beaucoup les topics sur jeu.com. Je sais que ça en parle, tout ça, voilà. Anima est présent en tant qu'ennemi. Ouais, mais malheureusement. Malheureusement, quoi. J'ai peut-être beaucoup joué là au bouton parce que malheureusement les flèches du haut, moi quand je fais les mouvements, ça part sur les côtés, c'est un peu. C'est dommage. Dommage avec un seul A. Un seul A. Alors, un petit chocobo, c'est mignon. FF14, c'est une musique où on se balade, quoique avec cela je peux éventuellement utiliser. Alors voilà, il faut savoir que là on est dans une note qu'on n'a pas vu encore, pour ceux qui connaissent pas évidemment le jeu, ou qui n'ont pas joué au 1 ou qui connaissent pas celui-là. On va être en mode FMS, donc c'est un mode en fait où dans Final Fantasy, on est sur la carte, on se balade, on va à notre ville par exemple, on se balade en voiture, en avion, à pied, on traverse la carte, et ben c'est ce mode-là. Donc c'est pas les 4 personnages qui font chacun leur coup comme on vous a pu voir. Là en fait c'est un personnage qui marche, et donc plus vous avancez dans le niveau, plus vous gagnez de l'expérience, plus vous trouvez des trésors au fur et à mesure. Donc il faut un personnage qui ait beaucoup d'agilité
et de chance aussi pour avoir des bons objets. Bon, Clash au niveau 1, donc même si j'avais un perso qui était agile, ça servait à rien. Mais globalement, c'est comme ça qu'on gagne des objets. Pareil, en combat, c'est en tapant les ennemis, on les tue et on récupère des objets. Donc ce qui permet en gros d'avoir des cartes, d'avoir des armes un peu plus, des armes, des cristaux selon si par exemple des fois quand c'est des boss qui ont des cristaux, il faut le tuer, il fait sortir un cristal. Donc bon, et là ça va être un monde un peu spécial, c'est donc on aura qu'un seul personnage et en gros pour faire les notes, il y aura des notes classiques et des notes qui ondulent comme ça. Voilà, c'est expliqué, vous allez voir, c'est très simple. Et il faut dire que, bon, avec les boutons, c'est vrai que ça simplifie grandement. Heureusement qu'ils ont fait, qu'ils ont proposé que soit avec les boutons, soit avec les stylus, soit avec les deux, et que le score final, ce sera écrit avec quoi vous avez joué. Ça, c'est bien. C'est parti. Je mets un peu sur le côté. Par contre, là, si je fais une faute comme ça, ça va pas le faire. Par contre, ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Quoi, je grite là? Non! Alors quand vous touchez une note qui brille, vous allez un peu plus vite, donc vous gagnez quelques mètres. Donc si vous avez quelqu'un qui a une bonne agilité, vous allez vraiment très loin. Et là, si vous réussissez votre chaîne, vous avez un chocobo. J'ai jamais raté la scène en fait, donc je sais pas ce qui se passe si on fait beaucoup de bad à ce moment-là. Je sais pas si ça annule ce passage-là, donc on reste à pied ou pas, je pense que oui. Et voilà, ça permet de faire beaucoup plus de mètres. Ah, un chocobo qui me donne un petit coffre. Donc je vais avoir un objet. Il faut savoir que globalement, le mode bouton est plus facile dans ce mode-là au niveau les plus bas. Parce qu'en fait, quand le niveau augmente, là, ça fait vraiment des ondulations au bas, très très rapide. Et quand c'est comme ça, des fois avec le stylet, on galère un peu. Alors que... Enfin, on galère moins à la fin, mais là... Là, vous n'avez pas besoin d'être précis et tout. Si la barre elle monte, vous appuyez, vous montez le stick et ça suit très très bien le truc. Donc c'est vrai qu'au niveau les plus bas, voire même en expert, le mode bouton est vraiment facile. Enfin, rend le jeu trop facile. Et c'est vrai qu'avec le stylet, on a plus l'impression d'avoir le rythme. C'est quand même plus agréable de jouer au stylet. Quand même. Si on s'endort, c'est que les musiques des FF sont tellement belles. Oui, aussi, c'est vrai. C'est la couleur du chocobo qui change. Ok, j'ai jamais fait de bad. Enfin, j'ai déjà fait des bads au milieu, mais j'ai jamais fait une série de trucs tout pourris en fait. Savoir qu'au bout d'un moment, si vous ratez trop de notes, votre perso il fait crève. Et celui qui est en deuxième position prend la place. Etc. etc. Ça fait comme ça. Et donc, imaginons, vous avez votre leader, il n'est pas très très fort, il n'est pas très rapide, mais prendre votre deuxième, il est très rapide. À la limite, si vous vous en foutez de votre score, faites-le tomber le plus vite possible, votre mec qui est devant, et faites passer votre mec agile en deuxième, et vous irez beaucoup plus vite. Après, c'est chacun voit, fait comme il veut, en fait. Ok. J'ai reçu donc Gambler Spirit et Economic Class Ticket que j'ai jamais utilisé de ma vie. Allez, on continue. Donc là, on gagne des points à chaque fois, c'est des rythmia, et tous les 500, on débloque. Jusqu'à 10 000, c'est tous les 250, on débloque quelque chose. À partir de 10 000, c'est tous les 500, et après, c'est toujours tous les 500. Est-ce que tu as déjà joué à FF13 le 3ème? J'ai même pas joué à FF13 tout court. Pourquoi? Parce qu'il marche plus. Quand j'ai voulu y jouer, j'ai fait, bon, allez, tout le monde dit qu'il est pas très bien, tout ça. Allez, je vais jouer à FF13. On met le CD, ça marche pas. On regarde le CD, il est mort. Alors qu'il marchait très bien. Enfin, on n'a pas compris. Donc, allez, encore un tour de promenade FF11. Vanadielmarsch. Ça fait vraiment allemand, ce truc. Donc, bon, FF13, c'est un peu mort. Hein. Tintin.
Alors celle-là, dans les quêtes, je la prends tout le temps, c'est chiant. Du pas qu'elle est nulle, mais au bout d'un moment, on voudrait tous les... Il y a plus de 200 chansons et toujours elle, le moins une fois quasiment par quête, quoi. Enfin, j'abuse un petit peu, mais je suis pas loin, quand même. Alors, hein, vous me dites si vous voulez que... Posez-moi des questions, hein, de tout ce que vous voulez, je réponds. Surtout que là, dans cette quête-là, ça va pas être très 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 difficile. Parce que c'est pour quête niveau 10, hein, quête niveau 10, c'est comme si... C'est comme si on vous dit... C'est comme un tuto, en fait. Tellement c'est pas difficile. Je me demande la couleur, est-ce que ça change vraiment sa rapidité? Parce que là, j'ai fait que des trucs justes. Qu'est-ce que ça donne, en fait, différence de vitesse, quoi. Enfin, la couleur et tout, parce que bon, ça c'est un chocobo doré ou un chocobo blanc, en fait. Si c'est un chocobo doré, je comprends, mais c'est vrai qu'il est assez blanc. Ah ouais, chocobo sinon, s'il te plaît. Méchant chocobo. Ah oui, dans le séquence d'avant, on a vu un gros chocobo. Au chocobo... Ah bah tiens, j'ai fait un parfait. J'ai pas... je crois que j'avais fait un grit. Il aurait plus rapide que le blanc, d'accord. Ok, Johan. Bon, joue bien. Donc, bon, c'était pas difficile, je vais pas me dire « Ouais, j'ai du 3S, trop fort, critique qualité, ouais !» Bon, bref. Non plus gager. Il aurait plus rapide que le blanc, d'accord. Et le jaune et le plus lent, moi j'imagine. Tu peux changer de musique que tu n'aimes pas avec le Gambler Spirit. Ouais, mais je sais qu'il y a des objets qui font ça, mais le truc c'est que... Quand on sait pas c'est quoi comme musique finalement, on a un point d'interrogation, on sait pas. On se dit, ça se trouve, c'est... Par exemple, j'aime pas FF... Bah, je sais pas que j'aime pas, mais FF10 c'est une chanson que j'aime pas. Je vois une musique de combat et je me dis, ouais, mais si c'est la musique de combat contre Seymour, que je trouve dégueulasse, je sais pas que c'est ça, sauf si j'utilise un objet, et donc c'est un peu dommage. Alors je pourrais utiliser l'objet pour découvrir le truc, puis après faire un truc aléatoire, mais c'est deux objets pour une chanson, je me dis, bon, c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas le blanc le plus rapide, vu que c'est celui qu'on obtient en faisant la future zone dans le centre tropical. Franchement, là, je sais pas du tout, j'ai tous un peu eu, parce que j'ai eu le trophée, faire avoir tous les différents... Les différents chocobos, je l'ai eu. Alors mon RPG préféré, c'est un peu compliqué. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai gagné? Un cristal blanc, cristal blanc. Ah, j'ai fait 10 critical sharp. Ok, d'accord. Oh, c'est dégueulasse, il m'en reste un. Oh putain. Ah ok, le noir est aléatoire, ok. Même tout ça, je sais, Final Phoenix, mais j'ai pas envie d'utiliser d'objets pour ça. À la limite, je veux bien l'utiliser contre les quêtes très très difficiles. Comme ça, tu dis, oh, ça là, je la connais, non, je la fais pas. Mais là, c'était une petite... Donc c'est vrai que c'est un peu... Alors mon RPG préféré, c'est compliqué parce que on va dire hein, de cœur c'est FFZ parce que c'est le premier RPG auquel j'ai joué, mais vraiment entre le 6 le 7 Golden Sun qui est vraiment une révélation. Quand j'étais gravé la Game Advance, je disais il est trop beau ce jeu, ouais, je regardais direct, j'étais très graphique quand j'étais petit. Il y a aussi Skies of Arcadia, le magnifique Skies of Arcadia Stormcast, si tu m'entends Skies of Arcadia. Bon, mais vraiment, les RPG, il y en a plein que j'aime bien, donc c'est compliqué de dire c'est celui-là mon préféré. Trop compliqué. Bon, on va aller en Revo Donjon. Ah, mais c'en a trop aussi. T'as qu'à arrêter de jouer. Alors là, voilà, on a trois embranchements. Pour embranchement 1, Final Fantasy Mystic Quest. Donc c'est la chanson de Benjamin, du deuxième. Il y a deux musiques, donc de combat. Le deuxième... C'est Final Fantasy 1, donc il y a deux musiques de promenade, ce que j'appelle, et le troisième, FF6, qui a un de combat et un de voyage. Donc par contre, c'est pas les deux qui vont être de FF6 ou de FF1 ou de Mystic Quest, ça va être le premier que vous allez voir, le deuxième, vous savez pas ce que ça allait être. Donc, vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3, de haut en bas, voilà. En sachant que ce que vous voyez sur le deuxième, c'est juste une espèce de point de sauvegarde. C'est pas le plus intéressant
Donc vous ne comptez pas, voilà, c'est un point de sauvegarde, si on perd, blablabla, on revient là. Donc là, c'est pas intéressant si vous y voyez. Donc 1, 2, 3. Quand ça a l'air d'être un peu fort. 1, 1. Quand rejoueras-tu Inazuma Eleven Strikers? Oula, le Strikers, je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. 1, 1, 1. Double BMS, ok. Non, bah, Gleu, hein. C'est parti pour le Mystic West. On y va. Soyons fous. C'est vrai que moi, je préfère les BMS, quand même. Donc, c'est toujours mode basique. C'est Battle 2 de Mystic West. Je crois que j'ai fait que le Battle 1, je crois. Un des deux, j'ai fait 24. J'ai pas fait comme ça. Quoi que ce soit celui-là que j'ai fait, parce que... J'aime pas du tout les musiques mystiques, ouais. Oh putain! Non, c'est là que c'est le 1 que j'avais fait, mais c'est vrai qu'il y a. Je connais pas du tout Mystic West, malheureusement. Elle est morte, bon ok, ça c'est fait. Encore une fois un 3S, mais on sait en basique, c'est très très facile. Bon. Il est très fort Benjamin, je sais pas trop ses stats. Faudrait que je fasse un jour Mystic West, tiens, rien que les musiques ont l'air énormes. Moi je suis pas fan des musiques, hein, je dis tout de suite. Après c'est que deux musiques. Un peu con. Donc je peux pas dire, mais moi le Mystic Quest sur Game Boy c'est un RPG aussi d'ailleurs, qui est très très bien, qui ressemble, c'est un mélange RPG de Zelda. Franchement assez dur quand même. Assez dur. Ah j'ai oublié de mettre des compétences que j'ai gagnées tout à l'heure, on va le faire, hein, toutes ces compétences gratos. Alors là, on a vu, alors clearing bonus c'est le fait de réussir la chanson. Rank bonus, c'est de savoir de quel rang on vient, donc si c'est basique, c'est pas tout ça. Chaîne bonus, si on arrive à les points qu'on arrive à faire d'une grande chaîne. Tactical bonus, je sais plus. Title character bonus, et si on a un personnage issu de la chance de la série où il y a la chanson, on gagne un bonus. Et critical charter bonus, c'est le bonus si on arrive à faire une chaîne complète et critique. Donc, cool. Donc ça me fait quand même 218, c'est quand même pas mal. A savoir que si vous avez par exemple une musique de FF6, vous avez 4 persos d'FF6, ça se cumule. Pas beau, pas magnifique tout ça. Mystic Quest tout le monde en France. J'arrive pas le hall critique en BTS. D'ailleurs c'est le héros de mon groupe. Ah. Moi je pensais que c'était celui de Game Boy, mais après est-ce que ces musiques me disent rien, donc ça se trouve ils étaient aussi. Donc je vais aller dans la partie. Dans la partie dans le groupe. On va aller mettre les abilities qu'ils ont débloquées. Donc Zach, il a pas grand chose. Alors il a... On va mettre les 3. Alors, par exemple, Brest, qu'est-ce que ça fait? Ça s'active avec 75% de chance quand on prend... on est mis par terre. Donc en gros, je me fais jamais toucher, c'est un peu dingue. Leave you, oui, 1% HP. Ok, c'est pour en fait... pas mourir. Non, 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 voilà, après... Focus activé en mode combat à chaque fois qu'on reçoit un bon ou mieux dans 13 touches vertes où on laisse appuyer. Donc on va le mettre évidemment. Et on a donc Vigilance, activé juste une fois en mode promenade quand un personnage est touché. Et il n'est pas switché, donc on va le mettre aussi, hein, c'est gratuit. Alors Benjamin, oh il a plus de choses. Par contre il n'y a pas tout qui rentre. Mais évidemment lui il n'a pas été... Il n'a pas été reseté, donc il a 10 en moins, je crois.
pour ton live de vendredi, je te donne 9 sur 20. C'est gentil, c'est gentil. Donc le focus, je le laisse évidemment. Fire, donc on fait un peu de magie. Hein, donc weapon break. Enfin, as blue, ça veut quoi. Donne 20 d'agility et 40 de chance. C'est pas mal. Et weapon break, à la limite, un truc que je pourrais virer. Non. Weapon break. Pas assez de CP de toute façon. Bon, on va mettre weapon break. Allez hop. On verra Earth Blue quand il aura un peu monté niveau. Alors, Magic Up, donc elle monte la magie de toute l'équipe. Ok, et Spirit Hymn, actif pour le entier, pour le stage entier, l'esprit de l'équipe. Bon, bah, c'est gratos, on y va. Et enfin, Aéro, qui, je crois qu'on arrive à faire sans touche. Ok, sans touche. Ça, ça fait des dégâts magiques. Counter, ça permet. Ah, j'ai pas assez de CP pour le reste, par contre. Ça permet en gros donc je crois que de taper l'adversaire si on se fait taper tout simplement. On va faire que peu, on verra plus tard pour le reste. Voilà. J'expliquais à peu près ce que ça donnait, c'est à peu près à peu près hein, je connais pas tous les compétences quoi. Ah c'est juste le perso. Oh c'est pareil. Donc. Ah c'est deux fois Mystic Quest. Oh si c'est Battle 2 encore. J'aurais dû utiliser l'objet. Con. Non, c'est Battle 1. Bon, vous avez les deux Battle. J'ai pas bien lu pour Magic, je suis désolé, my bad. J'utilise très peu de persos avec de la magie aussi, donc à part Terra une fois. Enfin, Terra une fois. Terra. Ah, c'est celle-là que j'avais fait. On dirait une vieille chanson. Alors, savoir que le Weapon Break, donc c'est après quand le deuxième ennemi apparaît, donc là. Quand le deuxième ennemi va apparaître, il va avoir sa défense réduite, donc on va pouvoir le tuer plus vite. Un peu plus vite, parce que là c'est que le niveau 1 de la compétence. Ça veut dire que bon, ça. Ah merde, Ingrid. Ça lui enlève, mais bon, voilà quoi. Hein, un petit peu. Oh, si tu pouvais mourir, toi, s'il te plaît. Voilà, là, on lui réduit son armure. Et plusieurs fois en plus, parce que ouais, il y a deux persos qui en ont. Donc. Normalement, il devrait mourir plus vite. Critique. Celle-là, je préfère celle-là à la deuxième, personnellement. Ah, un coffre. Donc, j'en ai deux même. Quand on tue des ennemis, donc on gagne des objets. Et c'est un peu aléatoire parce que des fois, en les tuant, ça donne rien. Donc encore Ifrit, évidemment, parce qu'il n'y a que Ifrit pour Zach. Chaque perso a son invocation. Et savoir que si on gratte des touches pendant la séquence, en gros, d'invocation, c'est-à-dire avant ça, avant qu'il soit invoqué, si on se manque trop, ben un Chocobo arrive à la place. Et le Chocobo, il fait moins de dégâts. Beaucoup moins. Alors après, il y a un débat sur le forum de jeuxvideo.com sur les invocations, savoir est-ce qu'ils ont toutes la même puissance et tout. Donc il y en a qui disent qu'ils ont la même puissance sauf le Chocobo, évidemment. Il y en a qui disent que non, en fait, enfin, soit c'est tous la même puissance, soit c'est Shredder Blanc en premier, Odin en deuxième, Bamutant en troisième, enfin bref, il y a une espèce de hiérarchie. Alors pour vérifier ça, ah merde, je me trompais, je crois que c'était Flash du haut. Je suis deg. Donc à savoir ce que c'est ou je sais pas, moi personnellement je sais pas. Ah oui, t'as l'expert au milieu, hein, il y a Ultimate Dur et voilà. Donc, j'ai eu un ban et j'ai quand même eu les 3, et ça c'est bien, c'est très rare, en général je suis juste en dessous. Ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai gagné Giant Talk Tonic et Diesel Whistle. 163, parce que j'avais bien sûr Benjamin qui me donne des petits points en plus. Donc 35 points pour avoir un nouveau truc. Bon, en général, c'est encore des petits bonus à la con. Et là, on arrive au boss. C'est la musique de Final Fantasy. Alors, un truc qui est dommage, c'est que entre FF7 et FF8, pour savoir si c'est 7 ou 8, c'est il faut une loupe. Parce que les traits, là, ils sont tellement... Je crois que c'est FF8, celui-là. Je crois que c'est FF8. Mais c'est un truc qui se sont un peu manqué, je trouve. Ils auraient pu faire un peu plus gros, quand même, légèrement, l'écriture.
Donc c'est musique de boss, donc je sais pas si ce sera un expert ou toujours un basique, on va voir. En espérant que je vais battre le boss quand même, ça sera un peu plus compliqué. Parce que j'ai pas beaucoup de puissance dans les bras. Donc si je bats pas, j'aurai pas mes cristaux. Donc c'est The Extreme de FF8. De FF7. FF8. Putain mais je suis nul, non, mais j'arrive même pas... Oh, j'arrive... Oh, salut Eric. J'arrive même pas à voir en bas là. C'est FF8. Ton... Tu le connais en plus celui-là, Eric. FF8, moi je t'ai coincé à Cerberus. Carsco celui-là. Alors le boss c'est lui. J'espère. Ça m'arrangerait pour le weapon break. Normalement si c'est le boss qui meurt pas, normalement avec l'invocation il devrait mourir. Même pas besoin. Alors est-ce que... Ah non, je sais pas si... Alors je sais qu'il y a des compétences qui se déclenchent quand il y a un boss qui apparaît, donc on sait quand c'est le boss. Mais par contre... Est-ce qu'il y a un truc qui montre quand c'est un boss? Autre chose que ça. Je sais pas. Je crois que c'est ce qu'on a vu, l'espèce d'effet au début. C'était la chaîne la plus dure à faire du monde, ça. Hellfire, et ouais, ça c'est bon. Ah, j'ai 4 objets, l'air de rien, pas mal. Mais pas mal celle-là de FF8. Je préfère largement celle-là qu'à la musique de boss que je trouve complètement dégueulasse. Je déteste la musique de boss de FF8, c'est horrible. Bon là je la tuerai pas, hein. J'ai pas d'invocation et on est à la fin de la chanson. On peut tuer un boss 2 fois, y a pas de soucis. Ok, full chain. Oui, je voulais battre Cerberus et ça m'a gavé. Bon, voilà, niveau basique, voilà, GG, voilà, c'est bien. Ça y est, mon premier critical sur A Man With A Machine Gun. Putain, A Man With A Machine Gun. Pff, cette chanson, je la trouve pas trop facile. Il fait un cri en apparaissant. Ah, c'est pour ça, ouais, donc je l'ai battu. C'est sûr que c'est lui. Force Your Way et Epic pourtant. Ah, mais non, j'aime pas. Déjà, alors, peut-être c'est le début qui me dérange, mais... Quand ça commence par le genre de musique, j'aime pas trop écouter la suite. Donc là on a fini une quête. Ah, il apprend Fyra. Donc là j'ai eu une carte de collection, on va dire, qui peut servir à faire évoluer ses personnages. Black Shard. C'est les plus rares, enfin une des plus rares. J'ai débloqué une Black Shard avec ce truc de merde. Quand même, faut le dire. J'ai aussi donc un scapegoat et economy class ticket. Voilà. Encore une fois que j'ai jamais utilisé de ma vie. Pourquoi tu as plus Trackmania? Bah parce que je n'ai plus, c'est tout, j'ai désinstallé, j'ai d'autres jeux, c'est tout. Voilà, donc un Black Shard, je suis content de moi. Donc il en faut. Devinons qui c'est au milieu. Hein? Devinons. C'est Sephiroth. Sephiroth, il est là. Saloperie. Donc là, je vais gagner un nouveau truc. Ça va être quoi? New option de change beeline menu. Ça, c'est pour personnaliser sa carte en mode en ligne. Vu que j'ai eu ses fils sans le vouloir avant d'autres persos que je voulais avoir, non, c'est pas la plus rare. Mais pour le coup, je trouve ça pas mal, hein. Noir, parce que c'est le premier que j'ai.
Alors, Purple. Ok, je pars débloquer un nouveau perso. Encore 4. Alors, j'ai Minou de... Minou. J'ai Minou de FF2, Faris de FF5, Preach de FF11 et Noël de FF13-2. Alors, à partir de là, je vous laisse choisir, les gens, parce que c'est tous les persos qu'il y a là, bon... c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Alors, je choisissais entre Minou, Faris, donc Minou de FF2, Faris de FF5, Preach de FF13-2. À vous de jouer. Bon, il y en a qui veut Faris, à vous de voir maintenant. Je vous supplie à genoux. Allez, dites, soit vous le faites chier, soit... Là, c'est que toi, tu veux me supplier à genoux et tout, enfin voilà. Alors que c'est mon jeu et donc tu t'en fous dans, foncièrement de ce que je prends, logiquement. Mais t'es à fond dedans, c'est bien, justement. Bon, mais y'a personne qui te propose en même temps, on doit être 3 maintenant. Ah, mais non, on est plus qu'au début. Bonjour à tous d'ailleurs, à tous ceux que j'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Bon, allez, ils sont tous avec. Bah, Faris, 3 pour l'instant. 3, 1, 1. Ouais, non, mais je vais pas changer de perso tous les 2 secondes pour l'instant. Voilà, voilà. Faris. Bon, allez, je prends Faris. Hein. Attends, il faut que je vérifie. Comme j'ai pas rejoué, à part avec ce live, j'ai pas rejoué sur ma console. Donc, j'ai pas du tout joué avec ma console, d'ailleurs. Donc, je prends les. J'en avais 4. J'en avais débloqué 4, 2 qui m'ont permis de débloquer et les 2 autres qui reviennent, c'est normal. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de bug. Au cas où. Et donc une nouvelle Chaos Map. Donc Chaos Map, c'est les maps de ça là. Donc c'est niveau 24. Donc c'est une courte, pareil. Et je voulais vérifier un truc par rapport à ma sauvegarde. On va revenir en arrière. Je vais faire ma quête sur One Winged Angel. C'est très bien de finir comme ça. Alors il y a un versus mode donc pour le mode en ligne, en local avec des collègues, ou contre l'ordi. Donc, c'est bon, je suis toujours platine. Je suis toujours platine. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, comme j'ai des quêtes qui sont pas revenues là, j'ai peur que de plus être platine alors que j'ai fait le bronze, argent, gold, un peu comme dans League of Legends, enfin les MOBA en général. Ça m'aurait fait chier de pas avoir mon platinum. Oula! Voilà. Donc, il y en a 3, tu finis à quelle heure? Je sais pas, je peux pas trop tarder, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous voulez que je fasse une battle contre l'ordi en platine? Bon, par contre, la première chanson, je crois qu'elle est en expert. Mais je promets rien. Alors, soit je refais une quête, comme vous voulez. Je peux refaire une quête. Un petit versus contre l'IA, une platine que j'arrive pas à gagner. C'est trop dur. Au bout d'un moment, c'est trop dur. Voilà, on peut le dire. Je suis trop nul. Hop là. Je regarde ce que j'ai. Oh, peut-être tous les messages que j'ai sur Skype là. Hop là. Je vois ce qu'il y a comme chanson là, parce que je sais plus ce qu'il y a. Dedans dans la chanson, en platine, y'a. Alors, il y a Zizi de End for You de Final Fantasy Crystal Chronicles. Il y a Life and Death de FF12. Ou YRP Fight numéro 1 de FF12, voilà, donc Ah, contre toi aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, si tu veux. Y a pas de soucis, moi ça me va, hein. Y a un peu de soucis, un jour c'est ce que je comptais faire des game viewers. Ça me dérange pas, c'est juste que comme là je fais un live pour la première fois sur le jeu, je savais pas trop quoi faire, je savais pas comment dire, mais normalement je vais essayer de faire plein de trucs pour ces lives là, genre 77. Ouais, finalement non, avec ces persos là je vais pas faire contre l'ordi. Alors par contre j'ai jamais fait de mode en ligne, exprès, parce que je voulais faire sur cette console là. Donc, on va venir en arrière. La musique est épique. Si je faisais de battle. Yes, on s'en fout.
Ok, on peut jouer soit contre d'autres personnes en loin ou d'autres personnes qu'on connaît. On peut faire des combats sans les... Parce qu'en fait, quand vous faites un duel, vous avez un mode... Vous avez deux modes. Soit le mode juste vous faites la chanson, c'est bon. Celui qui a le plus de points à gagner. Soit vous avez le mode où vous avez des malus ou des bonus. Plutôt des malus en général de l'autre côté. Et donc ça permet de mettre du piquant. Mais des fois, ça devient injouable. Hein, surtout en Ultimate. Ok. On peut jouer contre des amis. On va voir si je suis best friend. Recruit opponent, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Attendez. Alors j'ai jamais fait, hein. Je le dis tout de suite. Donc il me faudrait ton code ami et que je donne le tien. Alors si je fais recruter. Non, j'ai peur de me retrouver contre un mec et que je suis nul. J'ai un peu peur. Non, c'est bon. Non, annulé. Ouais, fait contre un Niwan. Ok. Donc, je vais pas mettre avec un rang parce que sinon je vais morfler. Expert core, on va mettre un expert, ça bougera un peu plus. Je vais morfler. Ok, je mettrai après. Le problème, c'est est-ce que c'est toujours au niveau des amis? D'accord. Je reviens en arrière. Je vais faire juste une partie en ligne. Back. Back. Yes, anyone. 1024 en racing. Non, mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi les chiffres? Niveau 99. Ok. Non. Ah, je viens de comprendre des trucs. En expert, area international domestique. Allez, tant pis si je perds. Allez, on y va. J'ai peur. J'aime pas trop les tout ce qui est compète, je stresse. Ah, c'est parti. Ils sont beaucoup... Je fais pitié avec mon niveau 10. Je fais mon pitié. Alors, je sais pas trop comment ça marche. En fait, je peux choisir n'importe quelle chanson. Y arriver. Dancing Mario FF6. Tu peux faire la double, la 3DS. La 3DS direct. Yes, c'est moi qui prends. Yes, à savoir que j'ai réussi en expert, mais il est pas très dur dans Kingdom. Par contre, elle est un peu longue. Je me par contre, là, je sais pas. Ah, il y a les malus. On joue pas au stylé pour le coup. Ah, il s'est raté. Alors là, il y a les malus, je vais peut-être pas pour les expliquer en même temps parce que si je tombe dessus, je suis dans la merde. Ah merde! Bon. Ah, j'ai inversé la flèche. Oh, j'ai fait faux là? Sérieux? Oh,
Ah putain, j'aime pas les flèches qui tournent. Encore, je suis un expert. C'est pas trop dur normalement. Bien sûr, ça tombe à un moment le plus lent, quoi. C'est sûr que c'est pas cette chanson que ce sera le plus dur de faire des trucs. Hein. Je stresse toujours la dernière note. Quoi, il a toujours des X-Burst, c'est pas moi. Ouais, ça me casse ma chaîne, c'est bon, je crois. Je lui envoie quoi, lui. Rapidité. Là, c'est un peu con quand même, c'est trop lent. Il a rien eu lui! Tête de mort, il faut faire les notes parfaites. Merde! Oh le bad. Je savais que mes level 49. Ah c'était toi. Oh putain. J'ai bien fait. Bon j'ai gagné. Donc il a fait plus de X-Burst, c'est-à-dire qu'il a une meilleure chaîne que... Non. Une fois je comprends pas. 132 chaînes, si. Ok. Oh, je m'en fous, elle prend au hasard. Ok. Il va être deg avec le profil carte que je vais lui envoyer. Il va être dégoûté le mec. Ok, niveau 10. Super. Bravo. Il s'est pas déconnecté parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Ah mais il s'appelle Romain lui. Ah ben bonjour Romain. Tu gagnes du X avec tes... C'est vrai que tu tues un monstre. D'accord. Ah oui, c'est pour ça, donc ouais. Ok, je connais pas bien le mode en ligne. Bon, ben voilà, première victoire. Alors, je vais mettre... Si j'arrive. Ah, je peux pas. Ok, parce que je suis en ligne. D'accord. Ouais. Ouais. Niveau 1. Alors... On va aller dans les amis. Donc là, tu verras mon code ami. De toute façon, je l'écris aussi en bas. Donc, ajouter un ami via internet. Alors, 28, 52. Ça, c'est un peu chiant. C'est qu'on peut pas. Pour s'échanger les codes amis, c'est galère. 16 et 78. J'aurais bien aimé qu'il y ait des modes d'attente. Genre, cette personne vous a ajouté. Voulez-vous l'accepter? Soit bien. Mais là, non. Ressortez grand. Le nom de la personne, moi je vais mettre le nom Tahiti, je me rappellerai mieux. Puis après je crois que ça se change. Ok. Ok, je t'ai rajouté. Maintenant c'est à toi de jouer si tu veux faire un petit contre moi. Là pour la déconne, pas de rang à faire ni rien du tout. Hein. Ok, bon voilà. À toi de voir maintenant.
Objet de respect pour Jean-Aline, tout le monde a peur de moi. Ah bah, mais des personnes y vont, hein, qu'est-ce que je dis? Reprendre. Tu vois, un truc, les autres quêtes avant de le lancer, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils ont comme récompense à la fin? Parce que si c'est des red shards, je m'en fous complètement, j'ai tout débloqué de red shards. Green shard, parfait, ça je garde. Non mais t'es trop fort toi, arrête, t'es trop fort. Celui-là c'est quoi? Yellow shard et pitch shard, très bien, on peut pas me plaindre. Et le long quest. Donc le long quest c'est assez long, hein. On y aura une heure pour le faire. J'ai abusé peut-être un peu, mais... Red shard... 7 red shard que je n'ai pas besoin parce que j'ai tout débloqué. Par contre, il y a 5 white shards, ça c'est très bien, et les golden shards aussi. Donc c'est vrai que ça reste quand même intéressant parce que bon, 5 de chaque, ça permet de monter. Donc ça, je la ferai bien, peut-être pas ce soir, donc, sûrement pas ce soir d'ailleurs, parce que c'est un peu long. Mais quand même, 5 golden et 5 blancs, c'est bien. Alors je sais pas où en est Rafifi. S'il veut jouer contre moi ou pas, moi je suis là, y a pas de souci. J'adore ce jeu, moi en tout cas. Une vraie drogue, le truc, c'est. Quand on aime Final Fantasy, déjà c'est bien. Quand on aime les jeux de Rin, c'est bien. Quand il y a les deux, c'est nickel. Et même ceux qui connaissent pas FF10, en général, ils aiment quoi. Donc c'est vraiment pas mal. C'est même au niveau 80, j'aurais eu peur, hein. Rafifi, elle est en train de jouer, donc elle me répond. Je peux reprendre ma revanche, oui. Ah, mais c'était toi, ça? Non, c'était toi ou pas? Parce qu'en fait... je comprends rien. C'était toi, alors. Mais je comprends rien, ce mode en ligne. Je fais des trucs au hasard, et c'est des gens qui sont ici qui... Ah oui, les cartes amies, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah merde, je voulais revenir en arrière, mais en fait, j'étais déjà en arrière. C'était toi? C'était toi, mais putain, quel con, mais quel con. Ah, c'est vrai, comme j'ai dit, j'ai jamais joué en ligne à ce truc. Ok, d'accord. Voilà. Point de truc niveau 1, d'accord. Je savais pas que c'était toi, mais mince. Quel con. Bah, je suis désolé, il y aurait écrit Fifi, j'aurais trouvé direct, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un que j'avais pris au hasard, sans savoir. Salut sur Tengan. D'accord, bah, si j'avais su. C'est ma faute. L'inérite quoi, c'est des quêtes longues ou... Ah d'accord, on partage les... D'accord, les informations. Donc ça peut être n'importe quel type. Ok. Et donc ça donne quoi? Orange et golden, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Donc, je trouve ça bien de jouer contre d'autres, même si je perds. Attends, par contre, je commence à être dans l'ombre là. Je peux pas le faire. Y'a personne. Refresh. Allez, c'est parti, tu vas me démonter la tronche, je le sens bien. Allez, je vais contre. Salut Fana Phoenix. Allez,
Après, je vais arrêter le live, hein. Je fais une dernière, je vais me faire démonter et après, j'arrête le live. C'est bien, c'est bien. J'ai déjà fait celle-là. Un instant. Et choisi. J'ai peur pour la peu. Ah, mais tiens, Genova, ok, super. Bon, ben ça y est. Oui, je sais, là c'est Dark Willy. Là c'est Dark Willy, je sais, je sais. C'est pas grave, c'est pas. Là j'ai morflé par contre. J'aurais dû enlever les malus, quoique. J'ai perdu d'ailleurs, ça y est, j'ai fait de la merde, il a gagné. Ah, je m'attends hein, de perdre. Ah non, je me suis trompé, bon ok, c'est mort. Je suis tellement nul. Non, je me trompe de côté de flèche. Bon, bah, c'est mort. Hein? Ah non, je fais trop de bad avec les trucs. Ah, il a gagné de justesse. Bon, bien joué. Ah, mais c'est Music Adventure Run, hein. Genova déjà de base. C'est pas mal, hein. Pas loin, j'étais repassé devant un court instant, mais à un moment, j'ai eu tête de mort, ça m'a. J'ai raté deux notes. Et contre toi qui joue bien, bah voilà. Belle bataille, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que cette musique est très très bien. Donc voilà. J'ai bien, voilà, j'ai tenté. C'était une belle bataille, tu es plus fort que moi, c'est. T'es sûr? Enfin, t'es sûr, ça peut aussi dépendre des chansons, mais. Oui, c'est bon, c'est vrai, j'ai compris. Oh, j'ai perdu deux petits points. Donc. On va prendre celui-là, hein. Je sais pas si je l'ai, j'en sais rien du tout. T'as eu les crânes toi aussi? Le truc qui fait chier le monde quoi, les crânes, non, les crânes, non, pas lui. Ah ouais, non, mais en ultimate, quand vous avez. Ah, en ultimate, dire que c'est rapide. Quand vous avez mais rien que le truc qui vont vite ou qui font des vitesses différentes, le maintenant. Donc je vais arrêter le live bientôt, c'est pour ça, un moment. Quand en ultimate, quand il y a un autre qui sont soit très rapide, donc ça va très très vite, soit qui alterne le rapide ou le lent, et que bien sûr, quand il y en a un qui va lentement et d'un coup ça va super vite. C'est vrai que c'est comme ça que j'arrive pas à passer le platine, même contre des ordi, c'est à cause de ça. Donc voilà.
Ah ben voilà, si tu as pas vu Adventure Children, t'as raté ta vie, Hank. Voilà, c'est tout. Même si c'est pas non plus le film de, du monde entier, mais le meilleur film du monde. Hank. Ah, et en plus qu'il dit, si tu viens, tu te le feras regarder Adventure Children. Voilà. En Ultimate, c'est la, folie, non, c'est la version Adventure Children. Hein. Heureusement qu'il y a le que tu as le Ultimate sans ex. Ouais aussi. Ça, je sais pas trop comment le débloquer, de le désactiver, ça. Mais enfin, bon, je verrai bien. Je ferai d'autres parties, je pense. Je trouve ça sympa de jouer contre d'autres personnes et d'avoir le... même des personnes plus fortes comme toi, c'est tant mieux, ça montre le niveau que j'ai par rapport aux autres. Et voilà quoi. Et le pire, c'est que la tête de mort, c'est que t'as aucun. Le malus, c'est juste de faire la note parfaitement. Il n'y a pas de note rapide cachée, non, 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 c'est vraiment. C'est con et ça rend le jeu encore plus dur, ça. Enfin, la chanson encore plus dure. Donc voilà, c'est la fin de ce premier live donc que je fais sur ce sur un théâtre, n'importe que ce soit le premier ou le deuxième. Donc voilà, donc, on a vu le mode quête, on a vu des chansons classiques, on a changé les personnages, on a fait de la bataille en une contre eux, deux viewers, merci à vous deux d'avoir participé à ce live. J'ai vu donc comment se passe le street pass au passage avec les cartes de chaque personne, donc il faudra que je mette des meilleures cartes en profil parce que c'est pas très intéressant. Avant de finir, on va voir quand même comment est ta carte à toi, donc en street pass. Ton équipe sont de braves guerriers, oui je sais. Je les ai entraînés pour ça d'ailleurs, pour que ce soit des guerriers. Parce qu'avant c'est des grosses feignasses. En même temps je suis leur maître, c'est normal. Alors, get chaos map. Back. On va voir la carte. Je me suis juré de ne le voir que après que j'aurais fini FF7, donc j'ai commencé FF7 sur émulateur et du jour au lendemain la sauvegarde a disparu. C'était juste avant la fin de CD3, j'ai laissé tomber. Bah prends-le sur PS3, qu'est-ce que je te dis. Tu payes 10€, mais au moins tu l'as, t'as tes sauvegardes, hein. Alors, va y voir la quête. Voyons voir la quête du monsieur DW. Bon, c'est une quête aussi niveau 1, d'accord. C'est normal que ça se mette niveau 1 tout le temps en fait, c'est normal. Orange Golden et la New qui est au-dessus. Non, je veux pas le faire. Non. Je rigolais. Non, non, give up, c'était. Ou pas, je sais pas. Non, je voulais juste voir. En fait, j'ai appuyé deux fois sur le même. Je me suis trompé. Je fais avec les doigts parce que le stylo, j'ai pas de sortir. Sachant qu'il est un peu coincé. Donc, la capture de carte qui est là, il y a le fil et c'est un peu coincé. Ah oui. Ah, Annie. Ah ouais, pas mal. 9 indigo shards, 7 kilo shards et 7 indigo shards. Ah ouais, tu peux débloquer 2 persos en un coup presque avec les indigo shards. 16. Il suffit d'en avoir 8, 8 et 8, 16. Même si s'il en faut que 4. Ah ouais, non, pas mal. Ah mais merci à toi. Ah mais merci à toi. Bah, je te remercie. Moi, ma quête, elle est nulle. Malheureusement, je suis désolé, mais je la changerai la prochaine fois. Salut, The Another X. Quel est ton Pokémon préféré à toi? Pokémon préféré, c'est version bleu-argent, enfin voilà. Les deux. Tu relances un autre live plus tard? Je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Ou sur PC, Steam, il est souvent promo. Ouais, aussi sur PC, je suis con. Il est sur PC aussi. Non, parce qu'il c'est un objet qui produit des cas de niveau 1. Ah oui, mais je l'ai fait une fois aussi sur notre console, c'est vrai. Mais je pensais que niveau 1 qu'il avait fait, en fait, c'était juste parce que. Ça remettait niveau 1 quand on faisait le street pass ou pas. Voilà, je savais pas. C'est utile pour faire des quêtes simples et les farmer. Ça, ouais, je sais, je l'ai fait une fois. Donc merci, merci à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas. Bon, je vais baisser un petit peu le son légèrement pour pouvoir parler. J'espère que ce live de Théâtrine vous aura plu quand même. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter et d'ajouter mon code ami. Bon, même si, comme d'habitude, c'est pas très pratique de devoir mettre le code ami des autres en plus d'avoir donné ce code ami, c'est un peu chiant. Je trouve que ça aurait été bien. Qu'on ait un système de demande d'amis et que après bon ben on choisisse. Voilà, c'est un peu dommage. Mais enfin bon. Merci vraiment à tous d'être venus sur ce live. Je vous fais de gros bisous. La rediff sur YouTube, je pense que je vais la mettre et je vais voir ce que ça donne. Avec les musiques qui sont qui sont normalement protégées par Square Enix. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon il n'y aura pas de rediff, je verrai bien. T'as qu'à juste prendre des personnes niveau, hein, qu'est-ce que tu dis. Voilà, donc merci à tous, gros bisous et à la prochaine pour un nouveau live sur un autre jeu, je ne sais pas encore quoi. Salut tout le monde.